Bonjour à tous, bienvenue dans ce 7 Actu, voici notre sommaire. Fini pour Chelles et Merinville, ouvert pour le Luzard de Noisiel. Le statut de REP est attribué à certains collèges. En début de semaine, le rectorat a redistribué les cartes. Qu'est-ce que cela change? Pourquoi cette décision? Les éléments de réponse dans ce journal. Un jour pour parler de leur travail, et il en faudrait bien plus. Deux associations d'aide aux migrants étaient réunies ce jeudi au Petit Théâtre de Torcy. Ils nous parlent de leur quotidien. Ils vont peut-être accrocher une médaille de plus à leur palmarès impressionnant. Joanne Leu et Guillaume Maillard du club de Vovinam-Vienne-Vaudao de Roissy-en-Brie sont sélectionnés en équipe de France et concourent ce week-end au championnat d'Europe en Pologne. Nous les avons rencontrés à l'entraînement quelques jours auparavant. Ça bouge dans les collèges, les REP vont changer, ce sont les réseaux d'éducation prioritaire qui ont remplacé les EP. Les collèges Camille Corot de Chelles et Van Gogh d'Emerinville ne font plus partie des sites retenus par l'éducation nationale. En revanche, le collège du Luzard à Noisiel rentre dans le réseau, des choix logiques pour la rectrice. Alors c'est vrai, quand on sort du réseau, c'est qu'on a une population qui est moins défavorisée globalement que ceux qui restent, alors soit parce qu'il y a eu de la mobilité sociale, il y a moins d'enfants défavorisés. C'est des situations relatives, ça ne veut pas dire qu'à tel endroit il y ait plus ou moins de problèmes, si vous voulez. C'est simplement que l'État fait un effort particulier sur les endroits qui concentrent le plus de difficultés économiques et sociales. Les établissements classés en REP ont des effectifs un peu moins chargés, environ 25 élèves par classe au lieu de 28, voire 30. Des primes sont également versées aux enseignants de ces établissements pour les attirer. Les collèges ont aussi des surveillants supplémentaires. Ces avantages, les anciennes zones les perdront au fil des années. Face à ces nouveaux choix, les syndicats d'enseignants dénoncent la logique comptable des responsables de l'académie. Ils ont décidé qu'il y aurait 130 réseaux dans l'académie de Créteil. Il faut à tout prix faire rentrer les indicateurs dans ces 130. Et s'il y a un collège qui mériterait des besoins de l'éducation prioritaire, mais il y en a trop, il y en a beaucoup plus que 130, ils ont fait des choix au détriment des élèves en situation difficile. L'académie a tranché selon plusieurs critères, comme le pourcentage de boursiers ou encore l'âge d'entrée en 6e. Le nombre d'élèves issus de ZUS, zone urbaine sensible, a aussi pesé. Et il se trouve que justement, Emerinville n'est plus classé en ZUS. Et pourtant, les problèmes ne semblent pas réglés. Je crois qu'Emerinville a besoin de cette zone d'éducation prioritaire et elle en aura besoin tant qu'on n'aura pas solutionné le problème du Clos d'Emery. Et nous avons des problèmes d'intégration. Bon, donc, comment peut-on intégrer plus facilement les gens sinon à l'école? Ces mesures entreront en vigueur au 1er septembre 2015, mais d'ici là, elles doivent encore être validées, ce qui devrait être fait vers la mi-décembre. Le primaire est aussi concerné par ces réseaux. Des annonces sont attendues, pas forcément positives. Les écoles sortent souvent des REP en même temps que les collèges auxquels elles sont rattachées. Les médecins, les travailleurs sociaux, les bénévoles ou encore les enseignants et les juristes qui essaient d'accompagner les migrants, dont les demandeurs d'asile, dans un parcours souvent très chaotique. Ce jeudi, au Petit Théâtre de l'Arche à Torcy, ils étaient une centaine à partager leurs expériences et leur désarroi. Je suis enseignante et je reçois des élèves primo-arrivants qui demandent de l'aide, qui ont le ventre vide pour certains, d'autres qui vont dormir sous les ponts. On ne peut pas toujours apporter des réponses positives ou des solutions et on se sent coupable de ne pas pouvoir les aider plus que ce qu'on fait. Organisé par deux associations locales, le réseau Ville-Hôpital et la PSTI, la journée a démarré par la projection d'un documentaire sur le difficile quotidien de travailleurs sociaux parisiens qui accueillent des familles toutes nouvelles sur le territoire. Un film qui fait écho à un contexte de plus en plus difficile, comme au centre CADA de Brou-sur-Chantraine, qui doit faire avec deux postes en moins pour toujours 70 personnes accueillies. On constate depuis plusieurs années un appauvrissement des dispositifs, puisqu'on est dans une période de récession économique. On a moins de temps à accorder aux familles, puisqu'on va faire le même travail sur un temps plus réduit. On s'aperçoit que les gens qui arrivent au CADA arrivent dans des situations de plus en plus précaires. Face à ce constat, l'objectif de la journée, c'était bien d'essayer de fédérer les différents acteurs, sans moyens supplémentaires donc, mais avec des idées. C'est d'ailleurs en créant un partenariat que les deux associations pilotes ont pu organiser cet échange. Pour mémoire, la France compte environ 60 000 demandeurs d'asile pour seulement 20 000 places en centre d'accueil.
Chaque année, les métiers manuels investissent le centre culturel de Chelles. 2014 n'échappe pas à la règle. Le salon de l'intelligence et de la main a ouvert ses allées ce jeudi et restera ouvert tout vendredi. Des dizaines de stands, la plupart tenus par des écoles et des lycées. L'occasion d'assister à des démonstrations d'artisanat et de techniques nouvelles, comme cette imprimante en 3D capable de réaliser en 15 minutes une vis. L'objectif de ce salon, c'est bien sûr d'intéresser les plus jeunes à ces métiers et pourquoi pas créer des vocations. Spectaculaire mais peu connu, le Vovinam Vietvodao, c'est un art martial complet, avec ou sans armes, tout seul ou à deux. Un tandem de champions roisséens fait partie de l'équipe de France, ici en entraînement à Ozoir-la-Ferrière. Guillaume Maillard et Johan Lele sont coéquipiers depuis 8 ans. Un duo au palmarès impressionnant, 4 fois champion de France, triple champion du monde. Il s'attaque désormais au championnat d'Europe disputé en Pologne par 13 pays de vendredi à dimanche. Objectif, décrocher le titre avec l'épreuve du Song Wingba. Comme cette épreuve, c'est une épreuve qu'on fait souvent, on va dire que des fois à l'entraînement on est un peu marre, on est un peu fatigué. Et dès qu'on arrive au moment de la compétition, c'est vraiment de l'épanouissement, on recherche. C'est pour ça que d'ailleurs, depuis 2009, on n'a jamais arrêté de la présenter, donc ça fait quand même pas mal de temps. Et on ne se lasse pas de passer en compétition dessus, parce que dès qu'on arrive sur le tatami, c'est vraiment une explosion d'adrénaline qu'on a besoin. Quoi. Une discipline impressionnante, ciseaux, coups sautés, acrobatie, l'engagement physique est total, la preuve. Pour briller, il faut une entente parfaite entre les coéquipiers, ça crée forcément des liens. Je pense qu'il y a une amitié qui s'est liée du fait qu'on pratique, qu'on affronte ensemble plusieurs épreuves et pas seulement les épreuves internationales, on fait aussi des démonstrations ensemble, on fait aussi des compétitions nationales, donc à la longue il y a une complicité qui s'installe et je dirais même une fraternité quoi. En cas de triomphe, les deux Roisséens glaneraient le seul grand titre qui leur manque. Pour connaître les résultats du tandem, rendez-vous lundi prochain dans notre journal des sports. Il y a 10 ans, les commerces de centre-ville de Roissy-en-Brie craignaient pour leur avenir. Un plan de redynamisation avait alors été initié. Qu'en est-il 10 ans après? Félix Dumas s'est posé la question et vous en dit plus juste après ce 7 Actu. Au niveau client, on en a moins. On a plus les gens de la cité, mais beaucoup moins de gens qui viennent de l'extérieur. Ils venaient faire leurs courses à Inter, mais en même temps, ils passaient au tabac, à la boulangerie, à la boucherie. Quoi. Donc ça nous drainait du monde, nous, au niveau commerce. Merci d'avoir suivi ce journal. Prochain rendez-vous vendredi dès 19h.